Qu'il est bon d'être au fil de l'eau ici au terme de Saint-Gervais. Bonjour Thierry Coffinet. Bonjour Alexis. Les Romains avaient bien compris un principe de base, utiliser ce que l'on a à proximité pour être en forme et être en bonne santé. Effectivement, et puis nous, ça fait plus de 200 ans aujourd'hui que nous sommes ici. Enfin, moi je n'étais pas là Alexis, mais effectivement que l'établissement... Vous paraissez très jeune. Hein. Pardon. Vous paraissez très jeune. C'est hein. Grâce à l'eau, effectivement, ouais. Mais 200 ans d'expérience, d'expertise de cette eau thermale qui a soigné aujourd'hui des centaines de milliers de gens. Sanita par aqua, la santé par l'eau et qui plus est, lorsqu'il y a des propriétés dans l'eau, ce n'est pas une eau classique, c'est une eau thermale. Et grâce à cette eau, eh bien, on peut tout simplement mieux vivre au quotidien. Ce n'est pas seulement guérir une maladie, c'est aussi eh bien, améliorer par des petites touches du cousu humain de la bonne santé, de la bonne forme. Effectivement, et tous nous devrions profiter de cette eau là qui est miraculeusement arrivée dans ce vallon il y a plus de 200 ans, mais pour construire notre santé. C'est pas uniquement venir prendre du plaisir, on a 50 000 personnes qui viennent prendre du plaisir ici, du bien-être, déjà très bien. Et c'est déjà exceptionnel. Mais tous nous devrions pouvoir en profiter en venant régulièrement pour se maintenir en forme, pour rester en forme, pour construire son capital santé, et bien vieillir. Vous habitez dans le piémont des montagnes françaises, en Savoie, en Haute-Savoie, proche de Genève. Eh bien voilà, il y a ici une solution pour vous aider à mieux vivre au quotidien, sportif, grand sportif ou pas du tout, senior ou effectivement jeune femme qui a envie simplement de profiter de tout ça. On va d'abord découvrir une personnalité qui est plein de sourires, plein de pêche. Il s'agit de Géraldine, un coach sportif. Effectivement, Géraldine est professeure d'activité physique adaptée et elle est là tous les matins pour nous apporter un service à nous clients et nous accompagner dans notre quête de santé. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas se servir de tout ce qu'on a derrière soi. Il faut qu'on nous explique tout ce parcours, ces différents équipements. Cette eau, elle a des propriétés et c'est bien de les connaître. Et c'est bien de les connaître pour les apprécier et pour savoir comment se servir de cette eau. Et tous les équipements sont là pour ça. Qu'on va voir. Bien sûr, on y va. Avec Géraldine, le coach sportif, le coach santé des Thermes de Saint-Gervais. Alors moi, je suis coach forme santé sur les bains du Mont-Blanc. Je m'occupe d'accueillir les gens dans les bains et je leur propose des matinées pour se maintenir en forme. On a des clientèles très variées, on a des clientèles qui sont liées au bien-être, un peu plus jeunes, qui viennent rechercher des effets plutôt déstressants, apaisants, qui viennent se recentrer aussi un petit peu sur leur corps, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire le reste du temps. On a une clientèle un peu plus âgée qui vient chercher des soins en termes d'arthrose, en termes de rééducation, et puis en termes de bien-être aussi en général, parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de faire bouger leur corps. Et on se retrouve aussi avec des clientèles plus sportives, qui viennent préparer des trails, qui viennent récupérer après des trails, parce que là aussi, le sauna, les propriétés anti-inflammatoires, l'eau vont permettre une récupération plus rapide que dans une récupération classique. On les accompagne sur le parcours, dans le sens où on va les guider, on va leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire éventuellement en fonction de certaines contre-indications liées à l'âge, mais aussi toute l'activité physique qu'on va pouvoir mettre en place avec eux, que ce soit au niveau exercice de renforcement, étirement ou alors de la base pour bouger et refaire de l'activité. Alors il y a ce côté dynamique, il y a ce côté aussi soin, parce que souvent ces personnes souffrent d'arthrose. L'eau thermale est excellente, elle a des propriétés anti-inflammatoires. Ça va permettre justement de soigner tous ces problèmes d'arthrose, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires aussi. On va jouer entre... Travailler dans l'eau thermale en fait permet aussi de limiter les inflammations au niveau du corps. C'est ouvert à tout le monde. Moi, je fais l'effort en fait, de vraiment personnaliser l'accueil qu'on va pouvoir avoir et d'échanger avec les gens pour pouvoir proposer justement ce que les gens attendent. Alors, il y a les temps forts que j'encadre tous les matins, c'est-à-dire tous les matins à 11h moins quart, je prends tous les gens qui sont dans les bains et je les emmène faire de l'aquagym. Donc on fait surtout, ça dure 15 minutes à peu près, on fait un petit peu de renforcement et pas mal d'étirements. Tous les cours d'aquabike,
Donc là, on fait des séances très individualisées. On est au maximum 4 personnes. Ça me permet de pouvoir étaler des cours d'aquabike de manière très individualisée. Et puis après, je m'occupe des séances papa, maman, bébé aussi. C'est un outil complet qu'on peut découper comme on le souhaite, c'est-à-dire faire certaines parties du parcours en fonction des besoins des gens, faire l'ensemble du parcours aussi, et puis en fonction du temps qu'on est prêt à accorder à sa remise en forme. C'est-à-dire, si on n'a qu'une heure, on peut aussi faire quelque chose sur une heure. Si on a 3 heures, on peut faire quelque chose sur 3 heures. C'est vraiment quelque chose qu'on peut décliner en fonction des besoins de chaque personne. Quelle énergie cette Géraldine, c'est une vraie coach, elle nous pousse en avant, elle est effectivement assez formidable. On va la retrouver dans quelques instants. On va maintenant pénétrer dans un univers plus feutré, celui des massages avec tous ces produits de soins, ces produits cabines. Ça, c'est un élément que les gens du pays connaissent bien maintenant, des termes de Saint-Gervais. Alors c'est un élément qu'ils connaissent bien, effectivement, et puis ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que l'établissement utilise les compétences des esthéticiennes pour agrémenter l'ensemble de ce que l'on peut faire avec l'eau thermale. Alors en plus, les produits ont de l'eau thermale à l'intérieur. On peut faire des soins du visage, des soins corps, prendre soin de soi. Mais j'imagine qu'en ayant été auparavant dans les bains et après de faire un soin, et bien voilà, l'eau thermale elle pénètre encore plus au cœur de la cellule. Oui, effectivement. D'ailleurs, tout le parcours a été fait comme cela et pour cela. D'accord. Pour que la personne qui veut en profiter puisse réellement capter toute la minéralisation de l'eau, tous les oligo-éléments. C'est pour ça qu'on monte le corps en température un petit peu avant, pour le détoxiner, pour ouvrir les pores de la peau et favoriser cette pénétration des qualités de l'eau. Il y a tout un process, il y a tout un protocole, hein, là c'est un mot un peu médical, pour que le bien-être rentre à l'intérieur de la peau. Ce n'est pas uniquement des papouilles, on est vraiment dans un acte de soin. Oui, alors le mélange de tout ça, le must que l'on peut retrouver ici, c'est certainement le massage ou le modelage sous eau thermale. Et là, pendant 20 minutes, vous avez de l'eau chaude, une pluie d'eau thermale chaude, une pluie tropicale d'eau minéralisée et quelqu'un qui vous masse en profondeur. Donc, c'est vraiment le must certainement ici. Allez, on ne parle pas là de massage humide, mais de massage sec, direction les thermes de Saint-Gervais. On va se faire du bien, vous allez voir. Toute notre activité est basée sur l'eau thermale de Saint-Gervais. Cette eau thermale fait partie intégrante d'une ligne de produits cosmétiques qui s'appelle la ligne eau thermale Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et puis nos soins esthétiques sont également basés et travaillés autour de l'eau thermale puisqu'elle fait partie intégrante de chacun des protocoles que nous développons au terme pour notre clientèle. Alors nous avons effectivement développé toute une ligne de soins cabine que nous appelons les soins signature. On a pris du temps et on a pris soin de développer des soins propres au terme de Saint-Gervais où on travaille sur des rituels de soins complets et ce sont effectivement des soins inédits avec nos produits bien évidemment mais aussi une gestuelle spécifique voire même des accessoires spécifiques pour vieillir en beauté. Une partie des soins qui est très orientée sur l'accentillage et nous avons travaillé différents soins spécifiques sur le comblement des rides bien évidemment puisque on sait que notre eau thermale est anti-âge mais aussi sur toute la partie fermeté et ceci dès 35-40 ans. Nous avons une partie développée autour des soins du visage. Deux soins notamment qui durent un peu plus d'une heure où on travaille autour de produits et masques spécifiques, autour d'une gestuelle de modelage spécifique, une gestuelle rajeunissante et qui va beaucoup cibler bien sûr la luminosité, l'éclat. Et puis pour le corps, nous avons développé également un soin anti-âge qui va beaucoup cibler la fermeté. Donc ça c'est les produits que j'ai utilisés pendant le soin du visage, des produits que je vous conseille d'utiliser aussi chez vous. Compléter les bienfaits du soin. Donc vous avez le sérum concentré d'éclat appliqué sous votre crème de jour. Donc ça a vraiment apporté un teint lumineux, une petite touche de lumière. Donc voilà. Super. On a envie d'être un petit peu plus jeune dans sa tête. Eh bien, la peau a subi les méfaits de l'âge, le soleil, l'alimentation, le tabac, etc. Eh bien, ce laser va permettre de réparer les méfaits qu'on aurait pu subir avec une hygiène de vie moins positive. On va conseiller
aux patients de compléter le traitement par des applications d'eau thermale pure pour l'effet cicatrisant, mais aussi de tous les produits en général, notamment les produits solaires, qui protégeront la peau et qui contiendront eux aussi l'eau thermale de Saint-Gervais pour poursuivre la cicatrisation. Alors en fait, on se trouve entre deux, sur deux mondes, le milieu du bien-être et le milieu médical. Donc on va apporter des conseils en termes de dermocosmétiques à nos curistes et aussi bien aux personnes qui viennent avec des envies de découverte de produits avec eau thermale sur la partie bien-être. L'eau thermale est très bien aussi sur l'hydratation, la partie anti-âge, la partie antioxydante, antiradicalaire. Et tous les bienfaits de l'eau thermale se retrouvent dans plusieurs gammes. La gamme hydratante, la gamme pour peau sensible et gamme anti-âge. On a certains produits à 70-80% d'eau thermale. Et évidemment, l'action de se crémer matin et soir apporte ce petit plus tous les jours de la continuité de la cure. Alors, la réelle efficacité, on la voit à grande échelle par rapport aux cures. Et on retrouve la même efficacité, la même sécurité au niveau de la gamme. La gamme thermale, l'eau thermale va agir réellement sur la cellule. Elle ne va pas abîmer la cellule, elle va vraiment... être en symbiose, sérum parfait avec la cellule. C'est très sincère. Alors effectivement, on vient de voir dans cette fin de reportage cette machine qui permet effectivement là aussi d'améliorer quand la peau est abîmée. Il faut quand même rappeler qu'ici à Saint-Gervais, il y a des personnes qui ont des peaux très abîmées aussi, qui viennent faire la cure, qui passent 21 jours parce que eczéma, parce que très grande brûlure. Et là, vous avez une gamme de possibilités plus offerte, encore plus ouverte avec cette machine. Oui, effectivement, c'est le complément aujourd'hui indispensable quand on veut aller sur ce qu'on appelle l'anti-aging. À l'anti-aging, ce n'est pas uniquement pour les seniors, c'est aussi pour nous, des 40 ans. Pour vous, Alexis, mais pour moi, bien sûr, effectivement. Donc, c'est la continuité, si vous voulez, de l'offre produit que l'on peut faire pour bien vieillir dans ce pays du Mont-Blanc. Alors, on connaît bien, de toute façon, la vertu de cette eau thermale de Saint-Gervais pour la peau. On a parlé des grands brûlés un instant, mais je ne savais pas que cette eau thermale est naturelle, qui arrive chaude ici à Saint-Gervais, elle sert aussi à guérir, ou en tout cas à soulager l'arthrose. Pour moi, c'est une vraie découverte. Alors, sans doute est-ce une découverte pour vous, mais effectivement, ça fait plus de 200 ans qu'on traite l'arthrose au terme de Saint-Gervais, et plus largement les rhumatismes ou les douleurs du vieillissement. C'est une eau extrêmement anti-inflammatoire, vraiment la base de ses propriétés, même si elles sont extrêmement efficaces pour la dermatologie, parce que ce sont en général des pathologies où il y a de l'inflammation, mais bien sûr, on traite aussi les rhumatismes. Alors bien sûr, simplement. Si vous avez un petit peu d'arthrose, parce que les années ont passé, ou tout simplement parce que vous êtes un sportif de haut niveau, parce que malheureusement ça arrive aussi, regardez, en quelques jours, il peut vraiment y avoir des solutions pour soulager ces crises d'arthrose qui font très très mal. Aujourd'hui, la rhumatologie reste une place en or pour chez nous à Saint-Gervais. On vient de développer ce secteur depuis quelques années et de plus en plus de gens viennent nous voir pour bénéficier de l'eau thermale et avoir des bienfaits sur la rhumatologie. Au départ, il y a toujours un petit côté sceptique de l'eau, puisque l'eau, a priori, ne doit pas soigner ou on ne sait pas trop, c'est un peu vulgarisé. Et puis très rapidement, on trouvait l'intérêt à la pratique de la kiné et de l'eau. Et rapidement, dès qu'il y a du positif, on a un retour positif. L'arthrose est une indication, je dirais, essentielle. C'est la pathologie du vieillissement. Et tout ce qui est travail dans l'eau, on travaille en apesanteur, c'est le travail essentiel et même recommandé pour lutter contre l'arthrose. Donc c'est l'outil indispensable, je dirais, pour la lutte contre l'arthrose. Même si on ne peut pas la faire disparaître, en tout cas, gérer son arthrose, c'est le meilleur moyen. Je suis venu à peu près une 10-15 fois et j'ai bien récupéré. Je suis retourné à Lyon voir le spécialiste, il m'a dit non, mais non, vous pouvez refaire vélo, natation. Donc avec tous ces mouvements, j'ai récupéré alors à 100%. Donc j'ai évité l'opération. L'eau thermale est une eau surprenante car elle est soufrée et ce soufre est un anti-inflammatoire. Elle est chaude, qui est un vasodilatateur, et la combinaison de la chaleur, du soufre, vont faire que l'inflammation va se réduire, va diminuer, et les douleurs automatiquement vont s'en ressentir et on aura une amélioration de l'épisode douloureux. L'intérêt, c'est le cumul de soins. La boue thermale, le parcours de soins, le parcours de santé dans les eaux thermales, la kinésithérapie qui va être adaptée à la pathologie, où on va pouvoir adapter, organiser, orienter la pratique thermale, et puis
et puis s'occuper de façon analytique de la personne. C'est un complément, je dirais aujourd'hui, presque indispensable. En tout cas, ça fait bientôt 25 ans que je travaille ici et je me verrais mal travailler en dehors des thermes, car il y a un apport et un bienfait des eaux thermales qui sont indéniables et qu'on ne peut pas créer par nos professions. Voilà, donc c'est un plus-plus pour nos professions, un complément dans les soins et surtout une durée dans le bienfait du soin. Le conseil, ce serait d'essayer, ce serait d'essayer déjà de venir faire une journée dans les eaux, une eau qui est pour ma part extraordinaire, parce que rien que le fait de faire des mouvements dans une eau saturée en sel, chaude, on a automatiquement une aide au niveau de la mobilité, du bien-être, du ressenti. Et une journée déjà à essayer et après à améliorer en faisant plusieurs jours, c'est formidable. Quelle chance de voir qu'il est possible de faire quelque chose pour l'arthrose dont, à part quelques médicaments, malheureusement jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grande possibilité. On ne peut pas guérir l'arthrose, on peut simplement la soulager. Tout à fait. Et nous, on voit des choses exceptionnelles ici. C'est que souvent, l'arthrose, ça touche les mains. Mmh. Et c'est extrêmement difficile à vivre. Très douloureux, au quotidien. Hein. Ouais. Vous voyez, et il n'y a pas besoin non plus, là encore, d'avoir 70 ans pour être atteint de pathologies de ce type-là, très douloureuses tous les jours. Eh bien, on plonge les mains de nos clients qui le souhaitent dans de l'argile à 46 degrés, qui a été faite avec l'eau thermale. Et on voit des résultats vraiment spectaculaires, autant sur la douleur que sur la forme des mains. Complètement, parce que les doigts, après, ont bougé. Effectivement. Donc, c'est... Peut-être que la bonne clé d'entrée, c'est de venir tout simplement tester une fois les bains du Mont-Blanc. On vient, on découvre la notion de chaud, la notion de froid, les hammams, les jacuzzis extérieurs, les bains extérieurs. Mais tout ça, évidemment, il faut l'apprendre. Souvent, quand on a dans un hôtel un bout de hammam ou un bout de spa, on ne sait pas trop est-ce qu'il faut rester 8 minutes, 10 minutes, est-ce qu'il faut prendre la douche froide avant ou après. Les gens du Nord connaissent bien cet art de vivre des bains, mais ici, vous avez vraiment toute une démarche, une philosophie. On ne rentre pas dans l'eau chaude n'importe comment, on ne passe pas du chaud au froid n'importe comment. Voilà, effectivement, donc c'est un parcours qui a été fait pour cela et qui se fait en trois étapes. Il y a une étape de préparation, physiologique, c'est un peu là où nous sommes, d'ailleurs. Voilà, et psychologique, mental. Et puis la rupture. Oui, tout à fait, ce qu'on appelle le lâcher prise. Et ensuite, le corps va être préparé à recevoir les qualités de l'eau thermale. Ensuite, on va rentrer dans l'eau, à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, on va y passer le temps que l'on veut, mais en général entre 50 minutes et 80 minutes. Donc, vous voyez qu'on peut passer du temps réellement on dans l'eau. On prend les eaux. C'était voilà. Ça, finalement, le terme de l'histoire. Et là, on va retrouver Géraldine qui est au contact de la clientèle et qui vous aide à mieux comprendre comment fonctionnent tous ces équipements. Le parcours se découpe en trois grandes étapes. Une première étape de préparation. On va préparer l'esprit et le corps à recevoir les bienfaits de l'eau thermale. Dans l'étape de régénération, vous allez jouer sur des augmentations du corps en température et des effets hydromassants des jets que vous allez rencontrer dans le grand bassin. Et sur la dernière étape, vous allez rencontrer des dalles chaudes, des fauteuils de massage shiatsu, de la luminothérapie, un point d'hydratation et puis de l'aromathérapie. Voici une première étape de lâcher prise. Sur cette étape, vous allez vous recentrer sur votre corps, faire le vide par rapport à l'extérieur et puis essayer d'identifier où est-ce que vous avez des douleurs, des tensions, du stress, de la fatigue, peut-être des courbatures, afin de pouvoir travailler sur la suite du parcours. Nous voici arrivés au bain de vapeur. Le bain de vapeur va permettre de préparer votre corps à recevoir les bienfaits de l'eau thermale. Vous allez transpirer, éliminer les toxines et ouvrir les pores de la peau. Après les bains de vapeur, voici un petit bassin d'eau thermale. Vous allez prendre le temps d'une petite pause, vous réhydrater et garder un petit temps calme afin que le corps puisse récupérer des bains de vapeur. Dans cette eau thermale, vous trouverez du soufre, du calcium, du silicium, du bore, du strontium et du manganèse, plusieurs éléments qui sont anti-inflammatoires, cicatrisants et apaisants pour les bienfaits de votre peau. Le sauna va finir de préparer l'élimination des toxines. Il va accélérer votre rythme cardiaque, venir stimuler la circulation sanguine et permettre l'élimination des déchets qui sont dans le sang. Vous allez y rester une dizaine de minutes, le faire une seule fois. Et à la sortie du sauna, votre corps sera bien monté en température, les vaisseaux sanguins seront très dilatés et gorgés de sang.
Il est temps après d'aller activer le retour veineux. Pour ceci, vous allez venir dans le grand bassin extérieur et faire le parcours dans le sens des aiguilles d'une montre, car dans chaque angle, vous allez rencontrer des jets hydromassants au départ des pieds pour remonter aux épaules. Vous pourrez aussi bénéficier d'un aérobain, des petites bulles qui viennent stimuler le dessus de la peau et de lits massants et de fauteuils massants qui viennent aussi permettre au corps de récupérer après le sauna. Nous voici arrivés à la pulvérisation fraîche. Elle aura pour effet de venir avoir un effet vasoconstricteur puis de refermer les pores de la peau afin de garder les bienfaits de l'eau thermale à l'intérieur de votre corps. Vous allez trouver à la suite des dalles chaudes pour venir vous relaxer et permettre au corps de récupérer, des fauteuils de massage shiatsu, ainsi que de la luminothérapie. Au premier étage, vous trouverez des cabines d'aromathérapie afin de vous relaxer et puis de sentir les bienfaits des huiles essentielles. Vous aurez aussi la tisanerie. Nous vous proposons des boissons chaudes, des boissons fraîches, fruits, graissins et petits cakes pour venir prendre une petite collation pendant votre parcours. Tout simplement, après une belle journée de ski ou si vous venez passer un week-end à Saint-Gervais, venez prendre les eaux ici pendant 2 heures, hein, c'est à peu près le temps qu'il faut dans son agenda pour profiter de tout ça. Deux heures, c'est le minimum. D'accord. Voilà, on constate que sur la majorité de nos clients, ils restent entre 2h30 et 3h. Ah oui, d'accord. Donc le temps nécessaire, on prend son temps. On imagine que c'est bien ça, 2h30, 3h. La montre, ça tombe très bien. Alors, si tout ceci est efficace pour les familles, pour les personnes seniors ou les enfants, parce que parfois aussi ils sont là, ils sont évidemment, tous ces bienfaits, intéressants pour les sportifs de haut niveau. On a de plus en plus de sportifs de haut niveau. On en suit d'ailleurs régulièrement dans leurs séances de récupération ou malheureusement quand ils sont un peu cassés. Il faut les réparer. Il faut les réparer. Et effectivement, ça fait partie des possibilités que l'on a aussi au terme de Saint-Gervais, grâce à cette eau, de pouvoir accompagner des sportifs de haut niveau. Vous avez rencontré Vincent Descombes, qu'on va voir à l'image dans quelques instants. Il semblait, en faisant l'interview, très impliqué, voilà, il vit à proximité de Saint-Gervais. Lui, c'est quelqu'un qui fait du saut, donc on imagine que lorsque effectivement il y a la réception, le corps va devoir encaisser tout ça. C'est une belle solution pour lui. C'est une belle solution pour lui et d'autres. Et réellement, je constate en les écoutant parler des termes qu'ils ont la sensation d'avoir trouvé une solution, qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Voilà. C'est vraiment une solution de récupération. On les entend nous dire que ici, les phases de récupération vont beaucoup plus vite grâce à l'eau, grâce au conseil de Géraldine, et que ça fait partie aujourd'hui de leur vie de sportif. Nous allons voir et découvrir Vincent. C'est un athlète de très haut niveau. Il vit à proximité de Saint-Gervais et sa discipline à lui, c'est le saut à ski. C'est vrai que dans le cadre de la récupération, on s'est aperçu que l'eau thermale diminuait considérablement le temps de récupération et puis l'ensemble des douleurs que les sportifs de haut niveau peuvent avoir sur une saison de ski qui est très courte et très intense. Et en venant au terme, ils peuvent bénéficier du sauna, ils peuvent bénéficier de l'aquabike, ils peuvent bénéficier des bassins et permettre de diminuer ce temps de récupération et diminuer la fatigue musculaire qu'ils peuvent emmagasiner sur ces périodes très courtes qui est l'hiver. Notre problème, c'est surtout au niveau de l'entraînement en saut à ski, on tape beaucoup du fait qu'on fait beaucoup de bondissements, de musculation, et la récupération des thermes permet de diminuer les tensions musculaires, que ce soit au niveau du dos, des cervicales, et certaines fois aussi au niveau des genoux. Les éléments qui sont plus importants à mon regard, ce sont le hammam, le sauna, ainsi que les bains intérieurs et extérieurs. Pour une récupération optimum, j'essaye de faire des séances de 2h à 2h30 en fin de semaine pour pouvoir redémarrer la semaine suivante sur de bonnes bases physiques, mentales, et voilà, avoir des muscles toniques, relâché et sans courbature. Point principal, c'est vraiment l'eau. L'eau des thermes, par sa température, mais aussi par ses bienfaits, qui m'apportent vraiment des bienfaits au niveau articulaire, musculaire, tendons. Et je le recommande vraiment à tout le monde, sans exception, aux sportifs de haut niveau, aux sportifs de tous les jours, aux gens de tous les jours
qui veulent passer un moment vraiment très agréable, autant l'été que l'hiver. Et c'est vraiment un moment de détente formidable. Évidemment, quand on est un sportif de haut niveau, il faut savoir aussi prendre soin de soi, l'élasticité, tout ce qu'on peut mettre comme émotion aussi dans une épreuve sportive. Ça se prépare très loin parfois des tremplins de saut ici au terme de Saint-Gervais. Oui, effectivement, ça se prépare et puis ça se répare. On les a avant, les sportifs de haut niveau, pendant leur préparation, et on les a après, dans des phases de récupération. Ça montre à quel point, si on peut le faire pour ces sportifs de haut niveau, à quel point on peut aussi le faire pour tout le monde, de 7 à 77 ans, ou 90 ans d'ailleurs, parce qu'on a des personnages qui viennent très très longtemps, effectivement, nous rendre visite. Pour nous aider, quelle est la bonne porte d'entrée? C'est quoi? C'est son médecin qui peut à un moment ou à un autre dire « Tiens, ça serait intéressant d'aller passer quelques jours ». On mélange souvent la cure thermale avec ce que l'on peut s'offrir, sans forcément passer par la cure de 21 jours classique. Alors, vous voyez, nos amis allemands, nos voisins italiens et suisses ont compris ça depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé la barrière, la porte d'entrée du médecin pour en profiter eux-mêmes. En Hongrie, vous voyez des établissements comme le nôtre, à Budapest, c'est formidable. Qui sont pleins, à Budapest effectivement notamment, où ça fait partie de la culture de santé du quotidien que de venir prendre les eaux thermales. Et effectivement, nous avons encore besoin en France de travailler sur ce sujet. On est un peu précurseur à Saint-Gervais pour cela. Et cette mise à disposition de l'eau thermale est destiné vraiment justement à apporter la forme et la santé sur le long terme. Et peut-être encore plus pour les gens du pays qui vivent à proximité de ces montagnes, le mois de mars, le mois d'avril ou le mois de septembre jusqu'au mois de novembre, des moments où il y a peut-être un peu moins d'activité là-haut parce qu'on prépare évidemment l'hiver. Voilà, en bas on peut prendre le temps, on dit tiens, allez j'ai 2 jours, je me fais plaisir et je me fais du bien. Effectivement, c'est surtout se faire du bien en se faisant plaisir. C'est vraiment le leitmotiv ici, profitons de la vie en nous faisant du bien. Et l'eau thermale est une garantie, une réelle garantie d'efficacité. Et bien voilà, on va laisser Géraldine qui démarre son cours avec ses VIP qui sont derrière elle. Elles ont l'air en tout cas très très bien, j'ai bien envie de les rejoindre. Merci beaucoup également à François Pirot qui a réalisé cette émission avec Lionel Loris. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous rendre au terme de Saint-Gervais sans forcément passer par votre médecin. Quand on voit ça, on a envie d'y aller. Merci beaucoup. Merci à vous.